Bonjour à tous les amis, c'est Mia, je crois que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui, on est sur Coach Ivanga, les amis. Et oui, les gars, on est pour une vidéo, les amis. En gros, une petite vidéo, tu sens, où bientôt, il y a MW2 qui va sortir. Et aujourd'hui, on est pour, on va dire, un petit retour sur le jeu parce qu'on est à la fin de l'année Vanguard. Voilà, parce que c'est l'année Vanguard qu'on est actuellement, avant que Modern Warfare 2 le 28 octobre sorte. Alors, actuellement, il y a la bêta sur PS4, enfin sur PS4 et PS5. Bêta fermée parce qu'il faut précommander le jeu. Personnellement, moi je l'ai précommandé sur PC parce que maintenant je joue sur PC. Voilà, parce que malheureusement je n'ai pas encore la Play 5 et sur Play 4 j'ai pas envie de prendre le jeu parce que c'est horrible. Voilà, donc je préfère vraiment sur PC. Et quand j'aurai la Play 5, ben, je migrerai sur Play 5 pour pouvoir jouer. Mais du coup, ouais, les gars, donc du coup, oui, je fais un petit retour sur le jeu parce que voilà, j'aimerais bien qu'on débriefe un peu, on va dire, l'année du jeu. Personnellement, moi j'ai pas du tout joué dans l'année vraiment. Je crois que c'est le Call of Duty, ouais, c'est même sûr, c'est le Call of Duty où j'ai le moins joué de tous, parce que vraiment j'ai pas du tout aimé le Call of, vraiment. Pour moi il a, voilà, il a beaucoup déçu, pour moi il sert à rien, pour moi c'est un Call of qui ne sert à rien. En fait pour moi il aurait pas dû exister, du sens où tout le monde était sur Warzone, et du coup bah ça fait que bah, c'était compliqué, quoi. Ouais, c'était très compliqué, du coup, ouais, les amis. Donc du coup les gars, on est du coup pour une petite game en domination. La map, c'est Hôtel Royal si je ne me trompe pas, je la connais, voilà, je la connais celle-là. Voilà, d'ailleurs je crois que c'était sur cette vidéo, sur cette map pardon, que j'ai fait ma vidéo où je donnais mon avis sur le jeu. N'hésitez pas à y la voir d'ailleurs si ça vous intéresse les gars. Donc voilà les amis, du coup alors j'ai pris la M18 ou je sais pas la... Ouais, c'est ce genre de choses qui me dégoûte sur le jeu, c'est insupportable. Les spots sont catastrophiques, les armes c'est catastrophique, on peut mettre tous les accessoires du monde dessus. Bon, je l'ai fait moi, certes, mais en même temps on va pas se priver, hein. Si tout le monde le fait, il faut le faire. On n'a pas le choix. Par contre je crois qu'il y a personne dans la game, mais non, me dis pas que c'est vide quand même. Pas que c'est vide quand même, c'est pas possible, ils sont combien en face frère? Ah ouais frérot, 4v4. Ah non les gars, c'est triste hein. Pour un jeu qui est censé être dans son année, ouais, qu'est-ce qu'il fait lui? Mais qui c'est qui m'a mis un... Ouais, regardez. Catastrophique les spots. J'ai dit les gars, je vous ai prévenu hein. Les spots ça n'a pas changé sur le jeu, c'est horrible. Ce jeu vraiment il a trop de défauts, c'est... J'ai pas aimé du tout. Et là, quand je retourne dessus, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hein. Très longtemps. Dans l'année, j'ai dû jouer, je crois, max 5 fois. Je crois, même pas, vraiment. C'est horrible. Vraiment, c'est un Call of, il ne sert à rien. Vraiment, à part faire chier la communauté, il ne sert à rien. Il est catastrophique, il y a trop de... Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu faire ce thème encore une fois de la Deuxième Guerre mondiale, mais voilà, je ne comprends pas. Pas délire. Pourtant graphiquement il est beau, bon, en même temps ça on va me dire c'est logique parce que c'est dans les Call of, c'est genre c'est un peu logique, au moins ça quoi. Mais ça fait pas tout, voilà, le but c'est que le gameplay soit cool. Bon, le gameplay, la manière de jouer est bien parce que c'est comme Modern Warfare 2019 et Modern Warfare 2019 est excellent quoi. Donc voilà, tandis que Vanguard n'est pas adapté pour ça. Voilà, c'est un jeu qui... On va dire c'est World War 2 version Modern Warfare 2019 quoi, vous voyez. Donc voilà, mais ouais, sinon le jeu, voilà, à part ça, il n'y a rien de ouf. Il n'y a personne, frère, on se fait chier dans les games, les gars, c'est vide. J'ai l'impression d'être dans un Call of où il n'y a plus personne qui joue. Où c'est vide depuis des années, personne... Je sais même pas où aller, regardez, à gauche, à droite, je sais où est-ce que ça spawn, je sais rien. Regardez, c'est trop gâté, il y a trop d'endroits. Trop d'endroits pour faire le l'enculé à camper. Waouh, frérot. Ouais mes frères, putain, je vais faire un beau truc là. Et je me rappelle les gars, mon premier gameplay que j'ai fait sur le jeu, j'ai fait du 60 kills, j'avais fait la vidéo d'ailleurs. N'hésitez pas à aller la voir les gars, c'était ma découverte en gros du mode multi. Putain, j'ai bloqué deux camouflages carrément, d'accord. Ah ouais, d'accord, ok, je dis waouh, oui d'accord, j'ai fait deux headshots, une double. Ah les spawns les gars, regardez les colliers, je sais même pas si on me l'aimait ou pas, regardez là, je sais même pas si je l'aimais, regardez. Comment c'est possible qu'il y a quelqu'un? Comment c'est possible? Allez, bouge-toi. Oh, 25 ans frère. Oh. Ah mais chien de garde c'est de la merde, je pensais que c'était attaque de chien, moi chien de garde c'est de la merde. C'est tellement facile à niquer, sérieux. Casse-toi, ok super. Un mec au bout. Il va casser les couilles. Voilà, putain, avec son snipe de merde, il me dégoûte. Non, il est pas avec son snipe, je sais pas avec quoi il est, mais il me casse les couilles en tout cas.
Mais putain, mais tu fais chier! Tu me gaves avec ton snipe de merde là, il m'a gavé lui. Ah, oh, ce jeu il est insupportable, c'est incroyable, vraiment. Avion de reconnaissance ennemi au survol. Vraiment les gars, c'est n'importe quoi. Regardez, il est bugué le jeu, regardez. Non, c'est quoi ça? Allez, bouge-toi, vite. Où est-ce qu'il est? Oh là là, voilà. Putain, il est bugué, vous avez vu les gars, il est bugué le jeu. C'est un bordel. Vraiment, c'est le pire Call of pour moi, je vous assure. Hein. Je vous assure, c'est le pire Call of, vraiment. Il y en a, ils aiment pas Ghost, Infinite Warfare, mais quand tu vois Vanguard, frère, tu te dis, Ghost et Infinite Warfare sont incroyables. Moi, bon, personnellement, j'ai aimé Ghost, d'ailleurs, mon avant-dernière vidéo que j'ai faite, oh là là, c'était sur Ghost. Et j'ai kiffé quoi, ouais, j'ai kiffé retourner dessus, c'était cool. Mais frère, regarde, y'a un truc quoi, casse-toi. Regardez les gars, on est submergé de ce côté là, ce côté aussi, c'est de la merde, vraiment c'est de la merde, ce jeu il est nul. Il est nul, le zombie, je l'ai testé, j'ai fait une vidéo découverte aussi, catastrophique, je l'ai dit en fin de vidéo de la découverte. C'est le pire zombie de l'histoire de Call of, vraiment le concept est ridicule et inutile vraiment. Des zombies sur, à chaque zone, des trucs bizarres, il n'y a pas de manche. C'est tellement nul, voilà, c'est des trucs bizarres, des défis. C'est nul quoi, c'est pas ça le zombie. Le zombie, c'est la survie. C'est pas des missions, je sais pas quoi, faut faire ça. C'est des conneries ça. Ça, c'est juste pour dire, il y a du contenu alors qu'il y a rien. C'est n'importe quoi leur délire. Ok, alors, il y a du monde ici, je parie. Ça se fait avoir, il campe, hein, ça campe. Hein. Ça campe en démerde, hein. Il y a beaucoup de petits marqueurs aussi. Ça, c'est... Ah là, c'est horrible. C'est injouable les gars, c'est injouable. Il y a trop de marqueurs, trop de campus de merde. Regardez, les wildbanks de merde. Les wildbanks sont hardcore sur le jeu par contre, ça c'est putain, ils sont jamais seuls, toujours deux. Jean Butin. Ok. Voilà, ça m'étonnerait que je reste en vie en montant. Ils sont tous là à mon avis, ils sont tous là. Ok. Viens chercher. Super. Aïe. En fait, la question qu'il faut se poser, les gars, c'est est-ce que Vanguard est le pire Call of, enfin, personnellement, moi, c'est un des pires. Est-ce que c'est un des pires Call of parce que il est sorti à un mauvais moment, parce que Warzone dominait totalement, on va dire, le truc. C'est pour ça que le jeu aurait pas dû sortir. Est-ce que c'est à cause de ça ou est-ce que vraiment il a tout pour être nul, quoi? Il a des qualités, je vous ai dit, il a vraiment des trucs bien. C'est le même gameplay qu'au Modern Warfare 2019, il a... je sais pas, c'est cool quoi, le gameplay comme ça, il est cool, j'aime bien moi le gameplay comme ça. Surtout que c'est comme le gameplay de Warzone, ouais, les gens ils aiment bien, mais le problème c'est que je sais pas, c'est horrible quoi, c'est horrible, il y a trop de trucs négatifs, c'est n'importe quoi. Bon, on se fait dominer les 3 points carrément. C'est incroyable ça aussi, hein. Capture Charlie. Les 3 points frère, les 3 points, allô, les 3 points les gars. C'est pas 2, c'est pas 1 point. C'est pas 2, c'est 3. Où est-ce qu'ils sont? Je ne sais pas. Putain, chier. Oh, j'ai vraiment des merdes avec moi, vraiment. J'ai vraiment des merdes avec moi, c'est... Après je joue pas comme un malin non plus moi, mais... je sais pas quoi, c'est chiant quoi. Quand t'es pas aidé frérot... Attention... Non, il y a que des campus de merde. Regardez, je vais de ce côté là en face. Putain, mais c'est pas possible ce jeu. C'est pas possible ce jeu. Non, mais frère, mais de partout, hein, tu sais même pas d'où ils sortent. Non, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible de jouer à un jeu comme ça. Tu tiens pas l'année. J'ai même pas tenu un mois quand j'ai joué. Alors lui il a rien compris frère. Alors lui les gars il a rien compris hein. Lui il a rien compris. Oh putain, je suis gavé. En plus j'ai même pas quelqu'un qui est à l'arrivée. Super colis. Ça va pas durer longtemps. Je vais pas durer longtemps. Ah j'ai pas duré, je savais. C'est un bordel, tu tiens pas longtemps, c'est pas. Non, mais frère, je peux même pas enlever le...
Mais c'est horrible, je peux même pas enlever le colis. Regardez, j'ai respawn à côté d'un mec, c'est pour ça que je peux pas mettre le colis. C'est insupportable, c'est horrible. Allez frère, vite. Au moins choper un bon truc, allez, un bon truc. Putain, en 45 ans pour venir le colis, frère. Ah ouais, ça tombe sur moi, je suis une merde. Par contre, c'est bien fait l'animation. C'est déjà ça au moins. Ok, allez, bande platane, allez vous faire foutre, je vous emmerde moi. Regardez-les-moi ces campouses, regardez-les-moi, il va se faire buter. Voilà, je savais lui aussi, je savais, voilà, il s'est fait buter. Oh putain, mais c'est... J'ai même plus de mots les gars, j'ai même plus de mots. Vraiment, j'ai même plus de mots. Derrière, bon, enfin, je sais même pas où c'est. Putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible, je comprends pas pourquoi ils ont pas réglé ce problème de spawn, je ne comprends pas. Tout le monde s'en plaint, tout le monde, il n'y a pas que sur Vanguard, même sur Cold War, c'était pareil, hein. Voilà, la bombe qui est pas allée en bas parce que il n'y a pas de cassé. Voilà. Ce fameux truc de merde. Ah les gars, c'est... Non, non. Oh putain, derrière. Putain, mais je crois que c'était un ennemi, mon collègue. C'est pas, j'ai fait un bel enchaînement quand même. J'ai des infos. Ah ouais, ça me fait rigoler par contre quand il dit j'ai des infos. Non, le bâtard, il a eu. C'est pas grave, les gars, on a perdu de toute façon, en tous les cas, ça a rien de prendre le point. Ok, je t'ai eu, espèce de grosse merde. Monte. Ah, non, le bâtard, c'est pas grave. J'ai fait du combien? J'ai fait 29 kills. Ok, alors je sais pas si je suis en négatif ou en positif. Alors, il y a moyen que je sois en positif, mais je suis pas sûr. On verra bien, les gars, de toute façon, comment ça va se passer. D'accord, ok. Oui, c'est vrai qu'il y a bon. Ça, c'est stylé, ça. Il y a plein de petits détails qui est bien, mais c'est très mal utilisé. C'est ça le problème de... Ah putain, mais je suis dans le classement. Allez, frère. Votez pour moi, les gars. 9 captures, frère. 9 captures. C'est moi le boss. Votez pour moi. Alors, j'ai fait du 29-20. Ah, ben nickel. Super. Élu meilleur joueur avec le collègue. Voilà, donc. Donc ouais les amis, bah écoutez les gars, voilà c'était tout pour cette petite vidéo, voilà c'était un petit retour sur le jeu. Comme j'ai dit, moi j'ai pas apprécié le jeu vraiment, voilà il est pas 100% catastrophique, mais il a des qualités pour être bien, mais il est mal utilisé pour moi ce jeu, pour moi il aurait pas dû sortir, il sert à rien, et c'est dommage parce que il a quelque chose quand même, il a quelque chose, et pour moi il fait partie de l'un des pires Call of, si ce n'est même le pire Call of avec Infinite Warfare. Je mets pas Ghost dans l'histoire parce que Ghost pour moi n'a rien à voir avec ces jeux là, vraiment Ghost est tellement mieux par rapport à ça. Mais ouais non, franchement voilà, je suis déçu de ce jeu, j'aurais aimé pouvoir jouer toute l'année dessus, mais non. En espérant que Modern Warfare 2 sera... j'ai vu des gameplays, il a l'air vraiment cool, donc on verra bien ce que ça va donner. Et puis voilà les amis, en tout cas les gars, je vous dis à très bientôt, prochaine vidéo. Je vais sortir des gameplays sur Modern Warfare 2, la bêta, et ensuite je ferai des lives aussi, et vous inquiétez pas. Quand le jeu sortira, je ferai des vidéos sur Modern Warfare 2, que ce soit la campagne, je vais faire plusieurs choses, ne vous inquiétez pas. Donc, ouais, les amis, en tout cas, les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, c'était Nimea. Ciao tout le monde.